Mes racines musicales? Mon évolution a commencé très jeune, avec le rock. Ensuite, ça a été la musique punk. Puis je me suis intéressé à l'industrial. De là, j'ai passé à l'acid house. Et aujourd'hui, c'est le hardcore. Je viens des courants psychédéliques et punk, et aussi du vieux rock. J'ai vécu à fond les années 70, et c'est par hasard que j'ai glissé vers la scène techno. Le rock a été le premier courant musical que j'ai suivi. J'avais 13 ans alors, ce qui fait que mes racines musicales ne sont pas très profondes. Je n'ai pas vraiment d'origine musicale bien définie. Je me réfère à toutes les formes de musique qui ont existé jusqu'ici, et en particulier à la musique électronique qui est née au cours de ce siècle. Qui aurait imaginé que cela évoluerait ainsi, que la fonction d'un disque jockey serait plus que simplement poser des disques. Je me souviens d'une époque où on me demandait « Sven, qu'est-ce que tu fais comme métier ?» Je répondais « Je suis disque jockey ». D'accord, mais ton métier principal. Les gens n'acceptaient ni ne respectaient pas vraiment ça. Pour eux, je passais simplement des disques. Personne ne voyait que quelque chose pouvait en sortir. Un jour, j'ai décidé de me consacrer à fond à ce que je fais, sans me laisser aucune porte de sortie. J'ai décidé de suivre cette voie de manière conséquente, en m'y engageant à 100%. J'étais persuadé que ce serait payant un jour ou l'autre. Et j'ai finalement réussi à me faire une place dans la société, à me créer un espace de liberté dans lequel je peux me mouvoir. Mon plus grand succès a été Electric Salsa en 1987, qui a été numéro 1 dans toute l'Europe. La plupart du temps, je travaille en studio du lundi au mercredi. Ma fin de semaine commence en fait le jeudi soir, avec le premier gig. Le jeudi et le vendredi sont mes jours les plus importants. J'achète des disques le jour et le soir je joue, dans une ville quelconque ou un autre pays. Et ça recommence le lundi. Mais il m'arrive aussi de travailler 5 soirées ou nuits d'affilée. Je répartis mon temps en fonction de ce que j'ai à faire au studio.
Maintenant qu'on a trouvé un thème, on va essayer de bâtir quelque chose autour. Tu peux nous jouer ce thème ? L'élément monotone est en fait... Un instant. Voilà, c'est ça qui apporte la monotonie, la répétition. C'est échantillonné à partir d'un disque indien. Qu'est-ce qui a été ajouté ? On y a ajouté la batterie. Et puis l'élément d'atmosphère. Et aussi quelques séries de basses. Un truc agressif et méchant qui donne un peu de rythme. Qui énerve. Ça colle bien ensemble. La communication se fait par la musique. Bien sûr, on ne danse plus tellement ensemble, comme autrefois, un garçon et une fille. Chacun fait sa fête pour soi. Mais on est quand même ensemble, même si chacun a sa propre vision, sa propre façon d'interpréter la musique. On se réunit pour prendre plaisir à la musique. Après tout, ils pourraient rester chez eux et écouter des disques. C'est vrai que ça attire les gens. C'est d'ailleurs le sens de la chose. On vient à ces manifestations pour s'amuser, on s'y retrouve pour danser. C'est pur langage du corps, pure expression. Une soupape qui permet de se défouler.
C'est à la fin de la nuit, quand les gens s'en vont, que j'en apprends le plus sur eux. Il suffit que je regarde dans leurs yeux pour voir où se trouvent leurs problèmes. Si j'arrive alors à les faire rire ou à les faire sortir d'eux-mêmes, c'est pour moi une réussite. Et si en plus ma musique leur plaît, je suis totalement heureux. C'est un peu comme si tu dirigeais tout de là-haut. Tu sais que tu les tiens, que tu peux faire tout ce que tu veux d'eux. Tu peux les diriger, ils sont prêts. Il ne tient qu'à toi de faire tourner les choses positivement. Ce sentiment de puissance, bien sûr, quand tu poses un disque, ou que tu cries et que tout le monde se met à crier avec toi, c'est un sentiment plutôt agréable, oui. C'est comme une drogue, de la pure adrénaline. Un sentiment en fait presque impossible à décrire. Mais c'est un sentiment incroyablement agréable. Je ne voudrais pas le perdre. Aussi je ferai tout pour que ça continue. On s'est retrouvés vers 7-8 heures, puis on est allé écouter quelques bandes à la maison. Quelqu'un a sorti du speed et on en a pris pour bien se mettre en train. Ensuite, on a un peu peint, je me suis fait un t-shirt pour le week-end, et puis on est allé chercher un autre. Chez lui, chacun a encore pris une demi-pilule, et là, c'est vraiment parti. La vraie bringue a commencé. Quand tu prends de l'ecstasy, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu es totalement heureux, tu apprécies mieux la musique. Une demi-pilule est à la pêche pour toute la nuit. Le samedi matin, on est rentré chez moi. Je me suis lavé parce que j'étais complètement en sueur. On s'est couché sur le lit, on a écouté des bandes, bavardé un peu. On n'a pas beaucoup dormi, vu qu'on était encore pas mal excité. On s'est fait des câlins. Le sexe sous ecstasy, c'est vraiment super.
Ensuite, on est reparti, on est allé dans un petit café. J'ai repris un peu de speed, puis on est retourné chez moi et tout le monde s'est fait beau. Le samedi soir, bien beurré, on est allé à... Mais il y avait trop de bruit là-dedans, alors on s'est mis dans la voiture, on a allumé la stéréo, on est allé au snack pour s'acheter une glace et on a repris du speed dans la voiture. Après ça, c'était parti pour de bon, ça a été une soirée géniale. Sabine n'était pas trop bien, il a fallu la surveiller un peu. Cette fameuse pilule, si tu en prends trop, tu deviens tout raide, tu as froid et tu as la circulation qui commence à flotter. Le dimanche matin, vers 11h30, ça a commencé à devenir rasoir, la musique était mauvaise. On s'est tiré, on a voulu aller déjeuner, mais impossible d'avaler quoi que ce soit. On s'est retrouvé tout bête, encore bien réveillé. Alors on est allé marcher au soleil, on n'était plus que trois. Puis on est allé chez moi pour se coucher un peu. À un moment ou à un autre, ce truc te lâche. Quand tu remarques que ça s'estompe, tu en reprends. Après, on avait encore envie de faire la fête et c'est reparti encore une fois. On a commencé par aller aux toilettes pour sniffer un peu. On a bien profité des deux dernières heures et on est rentré chez moi. On s'est encore fait un gros joint pour dormir et cette fois, le week-end était vraiment fini. Je pense que ça va devenir ennuyeux sans le vinyle. Il y a moins de contact manuel et c'est ce qui fait l'agrément de la chose, manipuler les disques. Les disc-jockeys vont devoir devenir des musiciens. Je crois qu'à l'avenir, les DJ interviendront directement au niveau électronique. On commence déjà à voir des ébauches de MIDI DJ. Nach dem Verschwinden des Vinyl halt liegt die Zukunft nicht in der CD, sondern eher auf. Après la disparition du vinyle, l'avenir ne réside pas dans le CD, mais plutôt dans un médium qui serait un genre de compact disque dans lequel le disc-jockey, si on peut toujours l'appeler ainsi, aurait un accès direct aux différentes parties, aux différents instruments et arrangements et pourrait modifier les choses en direct. L'ère du numérique devrait nous donner de nouvelles possibilités de remixage, de réarrangement, etc., allant au-delà du mixage au sens traditionnel. Mais on en est encore très loin. Si pour des raisons économiques, le vinyle devait effectivement disparaître, cela représenterait une grosse perte. Ce qui va se passer, c'est que les DJ continueront à se procurer des disques vinyles par des circuits souterrains. Il y a un tas de DJ qui n'ont aucune envie de passer au CD. Thank you.
Begriff Techno, der hat sich jetzt so eingeprägt in den Medien. Das ist eine Sache. Ce terme de techno est aujourd'hui très banal dans les médias. Tout le monde sait que ça fait boum boum boum, que ça se passe dans des clubs, que beaucoup de gens font ça, des DJ et des musiciens célèbres. Sagen bestimmt die meisten Menschen, ja, Cosmic Baby macht Techno-Musik. C'est ainsi que la plupart des gens savent que Cosmic Baby fait de la musique techno. Seulement, ce n'est pas juste du point de vue historique. Si on se représente le développement de la musique comme un arbre, alors il y a un tronc. C'est la house music qui est née à Chicago en 1986 et qui s'est ramifiée en de nombreuses branches, en quelque sorte de nouveaux développements stylistiques. Et la branche qui est devenue la plus grosse, la plus populaire, est cette branche techno. Präsentieren die deutsche Gruppe Kraftwerk zum ersten Mal wieder in einem deutschen Fernsehstudio. Kraftwerk und Kraftwerk travaillait déjà beaucoup avec l'électronique, notamment avec des synthétiseurs analogiques qu'on utilise toujours aujourd'hui. Kraftwerk a rendu populaire la musique minimale. L'électronique a alors été associée à la musique et s'est beaucoup développée sous l'influence de Kraftwerk. Kraftwerk a été l'une des principales sources d'inspiration. Leur son a été fantastique. C'était peut-être le meilleur groupe de rythme blanc de tous les temps. Probablement le seul qui a influencé la musique noire. Yeah.
Il existe aujourd'hui des logiciels qui remplacent tout un studio. Le travail est incroyablement facile, à la portée de tout le monde. Il suffit seulement d'avoir un peu de talent et le sens des belles mélodies. Je pense que c'est une évolution logique grâce à laquelle le musicien peut passer de l'instrumentaliste qui apprend à se servir d'un instrument au créateur qui a une idée et une conception claire. On peut réaliser en 2 heures une chanson qu'il suffit de retravailler un peu en studio. L'ordinateur permet de concrétiser rapidement une idée. Un synthétiseur, en abrégé synthé, n'est rien d'autre qu'un appareil qui génère par des moyens directs, dans le cas présent électronique, des vibrations. Plus précisément, des vibrations sous forme de tension. Ces tensions sont ensuite envoyées dans un haut-parleur et transformées en son. Ce VCO, Voltage Control Oscillator, cet oscillateur commandé en tension, émet des vibrations très simples, par exemple sinusoïdales, comme celles qu'on entend à la fin des émissions. Un tel oscillateur, commandé en tension, peut être modulé, par exemple, par une autre tension sinusoïdale de fréquence inférieure, ce qui donne... ou encore par ce que l'on appelle un signal basse fréquence en dents de scie. Ce qui sort de cet oscillateur est envoyé dans le VCF, Voltage Control Filter, le même que celui que vous utilisez sur votre chaîne stéréo quand vous diminuez les aigus. Ça fait... ou... quelque chose comme ça. Mais chaque son a un début et une fin. Il arrive brusquement et disparaît. Ou commence tout bas et devient de plus en plus fort. Puis s'affaiblit à nouveau. On commande cela avec l'enveloppe générateur, en français générateur d'enveloppe. Au début des années 60, ou plus exactement à la fin des années 60, un certain monsieur Moog a mis sur le marché le Mini Moog. C'était un appareil doté d'un véritable clavier et de nombreux boutons de réglage qui permettaient de modifier le son de façon simple et directe. Le principal inconvénient de ce synthé analogique était qu'on ne pouvait pas mémoriser les sons réglés pour les rappeler plus tard. Cette situation a changé avec le synthétiseur numérique. On pouvait créer des sons, les mémoriser et les rappeler plus tard. Le grand succès des années 80 a été le DX7, que chacun pouvait s'offrir.
Dernier chapitre en date, l'échantillonneur. Avec un échantillonneur, on peut enregistrer, mémoriser et jouer au clavier n'importe quel son. Lost in music, lost in music. Lost in music, lost in music. Lost in music, 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 lost in music. Die Musik ist für viele Leute nachvollziehbar. Sie ist sehr einfach. C'est une musique que beaucoup de gens peuvent comprendre. Elle est très simple, très rythmée, ça pète bien, c'est du solide. C'est pour ça qu'elle se vend mieux que d'autres genres qui sont sûrement plus importants sur le plan artistique. Une réduction te donne plus d'espace pour réfléchir, tu es moins limité. C'est pour ça que je fais de la house music, pas parce que je voulais me la couler plus douce qu'un musicien classique, mais parce que j'y ai vu une solution pour faire une musique moderne, une musique qui me satisfaisait vraiment. Une zeitgemäße Musik zu machen, also die wirklich mich befriedigt. Je n'ai pas envie de reproduire, d'affiner encore un peu une œuvre qui a été jouée en 1920 ou en 1835. Je veux, en 1992, avec mes moyens, faire les choses comme je les ressens vraiment. Je peux voir ici ce que j'ai joué et aussi le modifier. Je peux par exemple ajouter ici un son grave très long, de la première à la neuvième mesure. Je peux aussi le raccourcir de la première à la cinquième mesure. Ou bien supposons que je me sois trompé et que la note ne me plaise plus. Je peux la supprimer facilement et insérer de nouvelles notes. Je peux décider que celle-ci doit être un ré ou un ré dièse. Das soll eine D2 sein, GIS2. Also das ist für mich ein Kosmos, der absolut... C'est un cosmos qui dépend entièrement de moi et qui est créé par moi comme par tous les autres qui font cette musique. Personne ne peut faire pression sur moi, personne ne peut m'avoir avec de l'argent et me proposer 200 000 marques pour faire un disque. Je peux le faire pour 5 000 marques, c'est formidable. C'est wunderschön.
Ce n'est pas une idée véritablement nouvelle qui est apparue depuis quelques années, mais des idées qui existaient déjà se sont répandues et concrétisées. Aujourd'hui, le mot techno est galvaudé, on ne dit plus techno, même Too Unlimited le dit, le mot techno est maintenant dans tous les hit-parades, il a été accaparé. C'est pourquoi on préfère employer d'autres noms, par exemple trance, qui est le courant principal, GABA, qui est le speed metal de la techno, Breakbeats, qui existe depuis longtemps, mais qui n'était pas très populaire. House, Neo House, et des tendances factices, comme le Trouble House, l'Intelligent Techno, etc. Certains groupes n'acceptent pas l'évolution soft de la trance. Ils veulent faire encore plus vite, encore plus fort, encore plus brutal. Dans la trance, toutes les aspérités sont gommées. À la techno classique et qui travaille avec des fréquences parasites, la trance oppose l'harmonie occidentale classique. Les DJ trans ont le respect de la pièce finie, chose que n'a absolument pas le DJ techno classique qui mélange des éléments tirés de différents disques. Un DJ trans n'osera jamais modifier les disques qu'il passe. Pour moi, la DJ music se distingue par le fait qu'elle ne cherche pas à écrire des chansons, mais à fabriquer des bandes sonores qui ne sont pas des œuvres en soi, pas des ensembles complets, mais des composants à partir desquels le DJ créera une vague musicale. Je viens d'ouvrir mon propre club, le Fade Out Club dans la Turbine. C'est un club After Hours où j'essaie de proposer de nouvelles structures pour la scène, parce que je commençais à m'ennuyer un peu, et aussi de donner une chance à de jeunes DJ qui n'auraient pas pu démarrer autrement. La plupart des gens prétendent qu'il y règne une ambiance de boudoir parce qu'on peut aussi s'y asseoir. J'ai essayé de réunir les gens, de faire qu'ils puissent aussi se parler et pas seulement faire des rêves et danser. Cette ambiance d'illégalité et d'aventure, on va dans un endroit interdit, la police n'est pas au courant, on installe quelques baffles, on fait de la musique et des rêves, cet aspect n'existe plus vraiment aujourd'hui. Il faut dire qu'il était surtout présent à Berlin et aussi à l'est de l'Allemagne.
À Berlin, les choses se sont un peu plus institutionnalisées. Ces gens qui allaient dans les entrepôts et piquaient le courant électrique, il y a eu un moment où ça a atteint un seuil et où, sans cesse chassés par la police, ils se sont dit qu'il valait mieux louer un local, respecter les règlements, installer des toilettes, etc. On en arrive alors vite au point où il faut que l'affaire tourne. Enter the arena. En entrant là-dedans, on s'est dit, ce n'est pas possible de faire la fête dans un endroit pareil, une usine électrique désaffectée. Il n'y avait pas de plancher et les fenêtres étaient ouvertes. Mais cette ambiance, waouh, tout était carrelé en blanc. Il y avait le risque et c'était simplement magnifique avec tous ces anciens tableaux électriques en partie en marbre. Il faut se laisser guider par l'espace, on ne peut pas lui imposer quelque chose d'étranger. C'est l'espace qui a l'énergie. Nous utilisons beaucoup les projections qui transforment le caractère des murs, qui donnent à tout une nouvelle texture. Chaque semaine, c'est différent. On peut venir la semaine suivante et voir quelque chose de nouveau. Ça change et ça se transforme en permanence. Il s'agit en fin de compte avec cette musique de l'émergence d'une nouvelle culture populaire. Elle ne touche plus seulement l'underground, mais dans l'underground a commencé une révolution qui a des effets sur la culture dominante normale. Ce qui est intéressant dans l'underground, c'est le fait de se lancer dans l'inconnu. Mais il faut absolument que ça débouche sur quelque chose. Je dois avouer que je suis surpris par le succès de notre maison de disques. Cette semaine, nous avons 3 titres dans le top 100. Une chose à laquelle nous n'avons même pas osé penser pendant des années. Nous en sommes au point où les gens commencent à se demander si c'est encore de l'underground. Évidemment non. Ce n'est plus de l'underground quand on est dans le top 100. Pour l'instant, il y a des gens qui s'y intéressent et 50 000 personnes qui se précipitent pour acheter chaque disque. Je ne vois là rien de grave. Au contraire, c'est une chance pour l'underground, peut-être la seule à long terme, de se développer au grand jour et de devenir une mode contre laquelle on pourra développer une nouvelle pensée, underground. Thank you.